Et hey, salut tout le monde, c'est l'éponge. J'espère que vous allez bien. On se retrouve sur eFootball 2025 pour vous présenter les packs de la semaine. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite de cliquer sur like, de commenter, de partager cette vidéo. Et puis toi qui passes par là, qui n'es toujours pas abonné à cette chaîne, je t'invite à t'abonner et d'appuyer entièrement sur la petite cloche pour ne rien rater sur cette chaîne. Et je vous dis bon visionnage à toutes et à tous. Commençons par European Club Championship. Dans ce booster, on a 11 joueurs disponibles. On a comme joueur qui a le booster Ibrahima Konaté. On va voir tout de suite son stat. C'est un joueur destructeur. Il a 94, c'est un milieu défensif. Côté attaque, il a passe à terre 70, tête il a 85, côté défensif, conscience défensive 86, tacle 89, agressivité 86, engagement défensif 84. Côté force, il a vitesse 79, saut 83, contact physique 88, endurance 85. Et côté caractéristiques, utilisation pied faible rare, précision pied faible moyen, constance inébranlable, résistance blessure faible. Donc c'est un joueur qu'on ne peut pas faire évoluer. Donc on va voir l'effet max de booster. Donc ce qui a évolué, c'est côté attaque, c'est finition 69, tête 88, côté force, on a saut 86 et contact 91. Ensuite, on a Henrik. Côté stats, Henrik, attaquant de soutien. Il a 92 points de puissance. Côté attaque, conscience offensive 82, et contrôle de balle 78, dribble 85, tenue de balle 77, finition 87, tête 74. Côté force, on a vitesse 85, accélération 85, puissance de tir 88, saut 75, contact physique 72, équilibre 79, endurance 78. Maintenant, on est côté caractéristique, utilisation du pied faible rare, précision du pied faible moyen, constance standard, résistance, blessure moyen. Voyons voir côté effet max de booster. Ce qui a changé côté force, c'est contrôle de balle 81, finition 90. Ça va. Côté force, on a puissance de tir 91 et contact physique 75. Kenan Yildiz, côté stats, ailier prolifique. Donc c'est un attaquant ailier gauche. Côté attaque, conscience offensive 78, contrôle de balle 83, dribble 86, tenue de balle 85, passe à terre 74, passe lobé 68, finition 80, tête 65, coup de pied arrêté 70, effet 87. Force, côté force, on a vitesse 85, accélération 86, puissance de tir 82, équilibre 80, endurance 80. Côté caractéristique, on a utilisation pied faible rare, précision pied faible moyen, constance inconstante, résistance blessure moyen. Maintenant, voyons voir l'effet max de booster. Il monte à 93 de puissance. Côté attaque, ce qui a changé, contrôle de balle 86, dribble 89, finition 83. Côté force, on a équilibre 83. Voilà pour le joueur qui contient le booster. Maintenant, le joueur à 5 étoiles, on a Antoine Griezmann, Michael Olise, Yann Sommer, Youri Tielemans, Nuno Mendes, Ibrahima Konaté et Wanderson. Voilà ce qui est côté European Club Championship. Maintenant, on va voir côté Worldwide 26-24. Alors là, c'est pareil.
On a 11 joueurs disponibles dans le tirage limité. Donc, parmi ces 11 joueurs, on a 3 boosters. Nicolas Jackson, James Maddison et Matteo Gabbia. Allez, je commence sur James Maddison. Voyons ses stats. Donc, c'est un joueur milieu attaquant, milieu central. Il a 93 points. Alors, côté attaque, conscience offensif 80, contrôle de balle 88, dribble 85, tenue de balle 89, passe à terre 87, passe lobée 85, finition 77, coup de pied arrêté 83, effet 84. Côté défense, agressif 80, côté force, vitesse 71, accélération 78, puissance de tir 83. Équilibre 90, endurance 86. Côté ca caractéristiques, utilisation pied faible rare, précision pied faible élevée, constance inébranlable, résistance blessure faible. Alors, voyons voir côté l'effet max de booster. Il est monté à 1,94. Il a monté côté défense, agressif 83. Force, accélération 81, contact physique 69 et endurance 89. Maintenant, on va voir côté joueur Matteo Gabbia. Matteo est un joueur défensif central, construction. Alors, côté attaque, passe à terre 72, passe lobé 72, tête 76. Il a 91 points. Côté défense, conscience défensive 86, tacle 86, agressivité 80, engagement défensif 83. Côté force, vitesse 76, accélération 74, saut 85, contact physique 86, endurance 84. Côté caractéristique, utilisation pied faible, rare, précision pied faible, moyen, constance standard, résistance blessure faible. Maintenant, on va voir côté l'effet max de booster. Il a 92 points de puissance. Côté attaque, finition 66, tête 79. Côté force, saut 88, contact physique 89. Enfin, on a Nicolas Jackson. Nicolas Jackson, opportuniste, il a 93 points, c'est un attaquant central. Alors, côté attaque, conscience offensif 83, contrôle de balle 77, dribble 83, tenue de balle 71, passe à terre 76, finition 85 et tête 77. Côté force, vitesse 89, accélération 86. Puissance de tir 85, saut 75, contact physique 76, endurance 80. Enfin, côté caractéristique, utilisation pied faible occasionnel, précision pied faible élevée, constance standard, résistance blessure moyen. Maintenant, on va voir côté l'effet max de booster. Donc, il monte à 95 points de puissance. Côté attaque, il a monté conscience offensive 86, contrôle de balle 80, finition 88. Côté force, accélération 85. Voilà pour les trois boosters. Parmi les 5 étoiles des joueurs normaux, on a Vinicius Junior, Darwin Núñez, Pablo Torre, Jordan Tézé, Victor Gyökeres, David Gea, Jonathan Roué et enfin on a Dries Mertens. Voilà du côté Worldwide Speed 26-24. Maintenant, nous allons voir côté League Monthly MVPS. Dans ce booster, on a 6 boosters sur 100. Donc, parmi ces joueurs, on a Raphaël Elias, c'est un joueur pivot, attaquant central. Il a 77 points de puissance. Côté attaque, conscience offensive 73, contrôle de balle 70, finition 74, tête 74.
Côté force, il a vitesse 71, accélération 71, puissance de tir 73, saut 76, contact physique 74, endurance 70. Côté caractéristiques, utilisation de pied faible, rare, précision pied faible, moyen, constance standard, résistance blessure, moyen. Il peut monter jusqu'au niveau 40. Côté effet max de booster, il peut monter jusqu'à 82. Alors là, tout monte, hein, tout monte. Attaque, côté attaque, conscience offensive, 76. Contrôle de balle, 73. Dribble, 71. Tenue de balle, 76. Passe à terre, 65. Passe lobée, 64. Finition, 77. Tête, 77. Coup de pied arrêté, 63. Effet, 62. Côté défensif, conscience défensive, 55. Tacle, 50. Agressivité, 53. Engagement défensif, 54. Conscience gardien, 43. Arrêt gardien, 43. Parade de gardien, 43. Réflexe de gardien, 43. Porte de gardien, 43. Côté force, vitesse, 74. Accélération, 74. Puissance de tir, 76. Saut, 79. Contact physique, 77. Équilibre, 67. Endurance, 73. Côté booster, tout en un. Effet max 3. Donc il peut monter jusqu'à plus 3 pour effet booster. Maintenant, on va voir le booster Mateu Pereira. C'est un joueur destructeur. Il a 76 points de puissance. C'est un défenseur central. Côté attaque, il a tête 73, côté défense, tacle 72, agressivité 74, engagement défensif 70, côté force, saut 72, contact physique 74, endurance 76. Caractéristiques, utilisation pied faible rare, précision pied faible moyen, constance standard. Résistance blessure moyen. Côté booster, tout en un aussi, effet max plus 3. Voyons voir l'effet max de booster. Tout monte aussi, hein. Côté point de puissance 81. Attaque, côté attaque, conscience offensive 62. Contrôle de balle 68, dribble 64, tenue de balle 63, passe à terre 68, passe lobé 71, finition 68, tête 76, coup de pied arrêté 62, effet 64. Côté défense, conscience défensive 72, tacle 75, agressivité 80, engagement défensif 73, conscience gardien 43. Arrêt du gardien 43, parade du gardien 43, réflexe du gardien 43, portée du gardien 43. Côté force, vitesse 71, accélération 68, puissance de tir 72, saut 75, contact physique 77, équilibre 69, endurance 79. Côté caractéristique, utilisation pied faible, rare, précision pied faible, moyen. Constance standard, résistance blessure moyen. Côté booster, tout en un aussi, effet maximal 3. Ensuite, on a Eiji Maemoto. 3 poumons, c'est un milieu central. 75 points de puissance, il peut monter jusqu'à 42. Côté attaque, conscience offensive 70, contrôle de balle 75. Passe à terre 74, passe lobé 72. Coup de pied arrêté 70. Côté force, il a accélération 70, endurance 78. Côté caractéristique, utilisation pied faible occasionnel, précision pied faible moyen, constance standard, résistance blessure élevée. Côté effet max de booster, tout monte aussi. Donc il monte à 80 points de puissance. Attaque, côté attaque, conscience offensive 73, contrôle de balle 78, dribble 70, tenue de balle 72, passe à terre 77,
passe lobé 75, finition 70. Coup de pied arrêté 73, effet 71. Côté défense, conscience défensive 68, tacle 66, agressivité 63, engagement défensif 61, conscience gardien 43, arrêt du gardien 43, parade du gardien 43, réflexe gardien 43, portée du gardien 43. Côté force, vitesse 70, accélération 73, puissance de tir 72 et endurance on a 81. Côté booster, tout en un aussi, effet maximal 3. Maintenant, on a comme booster Kota Take. C'est un destructeur. Il a 77 points. C'est un milieu défensif. Il peut monter jusqu'à 31 niveaux. Donc, côté attaque, il a puissance lobée, tête 77. Côté défense, conscience défensif 74. Tacle 72. Engagement défensif 76. Côté force, il a puissance de tir 71, contact physique 78. Côté caractéristique, utilisation pied faible rare, précision pied faible moyen, constance inconstante, résistance blessure moyen. Côté effet max booster, bon décidément les joueurs ils sont bons à tout hein. Côté attaque, conscience, offensive 55, contrôle de balle 67, dribble 59, tenue de balle 63, passe à terre 69, passe lobé 73, finition 54, tête 80, coup de pied arrêté 52, effet 64. Côté défensif, conscience défensive 67, tacle 75, agressivité 72, engagement défensif 79, conscience gardien 43, arrêt de gardien 43, parade du gardien 43, réflexe du gardien 43, portée du gardien 43. Côté force, vitesse 71, accélération 67, puissance de tir 74, saut 68, contact physique 81, équilibre 59, endurance 70. Côté booster, tout en un, effectivement, ils ont tous effet maximal plus 3. Maintenant, on a Soma Doi. Désolé hein, si je prononce mal le nom et le prénom. C'est un milieu attaquant, donc c'est un milieu offensif. Il a 76 points de puissance. Côté attaque, il a conscience offensive 72, contrôle de balle 72, dribble 73, tenue de balle 72, passe à terre 75, passe lobé 70. Finition 73. Effet 70. Côté défensif, on n'a rien. Côté force, vitesse 70, accélération 73, équilibre 72. Côté caractéristique et utilisation pied faible rare, précision pied faible élevée, constance inébranlable, résistance blessure élevée. Donc, il peut monter jusqu'à 42 niveaux. Côté effet max booster, évidemment, on a tout qui monte. Côté attaque, conscience, offensif, 75, contrôle de balle, 75, dribble, 76, tenue de balle, 75, passe à terre, 78, passe lobé, 73, finition, 76, coup de pied arrêté, 70, effet, 73. Côté défensif, conscience de défensive, 57, tacle, 55, agressivité, 64, engagement défensif 59, conscience gardien 43, arrêt du gardien 43, parade du gardien 43, réflexe du gardien 43, portée du gardien 43. Côté force, vitesse 73, accélération 76, puissance de tir 70, équilibre 75, endurance 70. Donc, il a monté 81 niveaux. Côté booster, tout en un. Effet maximal, plus 3. Enfin, on a le booster joueur Kenshin Yasuda. C'était un milieu défensif, plaque tournante. Il a 75 points de puissance. Côté attaque, on a contrôle de balle 72, puissance de tir 74. Côté défensif, conscience
Défensive 70, côté tacle 71, agressivité 75, côté force, vitesse 70, endurance 79. Côté caractéristique, on a utilisation pied faible rare, précision pied faible moyen, constance standard, résistance blessure moyen. Côté effet max des boosters, il monte jusqu'à 80 et côté attaque, conscience offensif 63, contrôle de balle 75, dribble 65, tenue de balle 69, passe à terre 77, passe lobée 72, finition 64, tête 61, coup de pied arrêté 67, effet 72. Côté défensif, conscience défensive 73, tacle 74, agressivité 78, engagement défensif 63, conscience gardien 43, arrêt du gardien 43, parade du gardien 43, réflexe du gardien 43, porte du gardien 43. Côté force, vitesse 73, accélération 70, puissance de tir 72, saut 67, contact physique 67, équilibre 67, endurance 82. Donc il peut monter jusqu'à 43 niveaux. Côté booster, tout en un. Aussi, effet maximal plus 3. Parmi les cartes normaux, on n'a pas des joueurs à 5 étoiles. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'oublie pas le petit like de récompense, de commenter, de partager. Et puis toi qui passes par là, qui n'es toujours pas abonné à cette chaîne, je t'invite à t'abonner et d'appuyer entièrement sur la petite cloche pour ne rien rater sur cette chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, mes amis. Ciao, ciao!